Ça restera à vie la meilleure musique d'introduction au monde. Il y a rien de mieux que ce thème. Il y a rien de mieux. Écoute-moi ça. Du velours. Du velours pour les oreilles. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bien la bonne année à tous, la bonne année, la bonne santé, le meilleur pour vos projets, etc, etc. On commence cette année, enfin, un peu à la bourre, hein. Je sais pas quand est-ce qu'on est le... Enfin, quel jour on est, le jour où vous verrez cette vidéo, peut-être le 17 ou le 16, avec un peu de chance, je ne sais pas. En tout cas, la première vidéo de l'année, comme vous pouvez le voir, sera basée sur James Bond, espion pour cible. Alors, ce n'est pas une vidéo test, comme vous l'avez certainement lu dans le titre. C'est que, tout simplement, j'avais une vidéo test qui est en préparation et qui est bientôt terminée. Enfin, c'est pas qu'elle est terminée, évidemment, parce que ce sera une vidéo test rétro, en direct. Donc, pour le coup... j'ai pas commencé à la faire, mais je veux atteindre un certain moment dans le jeu pour pouvoir me permettre de faire cette vidéo test, histoire d'avoir un petit peu de choses à vous montrer durant cette vidéo. Mais du coup, ça me prend un petit peu plus de temps que prevu. Je m'y attendais pas, du moins je m'en souvenais pas. Du coup, eh ben je vous propose un petit let's play de ce 007 espion pour cible, étant donné qu'on avait fait, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait la totalité sur la chaîne en let's play de James Bond 007 Nightfire. Et ben j'avais envie de ressortir le deuxième, entre guillemets, enfin le deuxième James Bond que j'ai le plus, dosé, si j'ose dire. Que j'ai vraiment le plus dosé sur Nintendo GameCube, à savoir Espion pour cible. Je vous ai fait également une vidéo test sur ce jeu, je vous encourage grandement à aller la voir. Ça fait partie des vidéos, je crois, qui sont le plus vues de ma chaîne. Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas pourquoi, peut-être certainement avec le titre 007, peut-être que ça attire plus de monde. En tout cas, Nightfire, ma vidéo test de Nightfire était une des, était, je crois, le test le plus vu de ma chaîne, avant que YouTube vienne la dégueulasser et la supprimer. Enfin, ils l'ont pas supprimé, mais ils l'ont complètement muté et ils l'ont complètement défoncé, juste à cause, je crois, d'un extrait musical que j'avais mis en fin de vidéo. J'avais testé, vous savez, l'espèce d'outil qui te permet de supprimer une... juste le bout qui est revendiqué, étant donné que c'était uniquement dans les crédits de fin de la vidéo, c'était pas un problème. J'ai essayé, résultat, absolument toute la vidéo a été mutée. Bravo YouTube, bravo. Du coup je l'ai refaite, hein. Il me semble que Nightfire on l'a refait. J'ai refait la vidéo test, histoire d'en avoir une vraie, quoi, je dis. Mais bon, je dois vous avouer, ça fait mal au cul, ça fait vraiment mal au cul, mais du coup on l'a fait en let's play. Total, on l'a fait en let's play du coup sur la chaîne, et bah du coup on va faire ça, en attendant que ma vidéo test arrive, sachant en plus que je crois que on va pas mettre énormément de temps, vu que, enfin c'est pas un let's play qui va durer 6, 7 ou 22 épisodes ou je ne sais quoi, non c'est un let's play qui je pense va être très court, puisque il me semble que ça je vous l'ai dit dans ma vidéo test, le plus gros point noir pour ma part de 007 espion pour cible, c'est sa durée de vie. Sa durée de vie qui est véritablement assez, assez courte, hein, au final. Je crois que si je me démerde bien, je pense honnêtement qu'en 2 heures, 2 heures et demie, on aura terminé le jeu. Parce que je crois qu'il y a 11 missions en tout dans ce jeu. Elles se font, il y en a certaines qui se font d'une façon ultra rapide. Mais après... ça fait un moment que je n'ai pas relancé le jeu, donc ça fait très longtemps même. Donc pour le coup, je me souviens plus comment on joue. Donc on va bien voir. En tout cas, on est lancé, on commence la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent 00, agent de terrain. On va mettre en difficulté normale, hein. On va pas se casser la tête, on va pas essayer de tryhard non plus, faut pas déconner. Mais bon, difficulté agent, on commence la première mission, donc Bond à la rescousse, briefing. 007,
La CIA a besoin de notre aide. Un de leurs agents, Zoe Nightshade, a récemment envoyé un signal de détresse. Puisque vous êtes sur place à Hong Kong, nous avons pensé que vous pourriez donner un coup de main à nos agents américains. Mademoiselle Nightshade enquêtait sur un centre de recherche appelé Identicon, dirigé par un certain Nigel Block. La CIA pense qu'Identicon est au cœur d'un réseau de contrebande d'armes biologiques. Dans son dernier rapport, Mademoiselle Nightshade a indiqué que des mesures de sécurité inhabituelles ont été mises en place pour protéger d'étranges éprouvettes. Nightshade devait dérober une des mallettes afin d'en analyser le contenu, mais les choses ont mal tourné. Vous devrez donc trouver la mallette et porter secours à Mademoiselle Nightshade. 007, j'ai mis à votre disposition deux nouveaux appareils. Le premier est un grappin à fil à haute tension qui vous permettra de vous accrocher à certaines surfaces et d'atteindre des rebords situés en hauteur. Le second est un laser miniaturisé assez puissant pour découper la plupart des alliages utilisés dans les serrures. Bien, donc, comme vous avez pu l'entendre, la première mission, ça va consister tout simplement à sauver cette agence. C'est quoi, c'est de la CIA, je crois. J'ai même pas écouté. Le mec, il écoute même pas le briefing, en fait. Le mec, il est dans la salle, il y a un briefing, mais il joue... je sais pas, il joue à Angry Birds sur son smartphone, il s'en bat les couilles. Je suis agent secret, mec, j'en ai rien à foutre. Mon maître mot, c'est l'improvisation, tout simplement. Alors donc, il va falloir récupérer cette mallette. On est sur Nintendo GameCube, hein, bien sûr, donc attention, ça peut un petit peu piquer les yeux. Surtout au niveau de James Bond. Hein. Je crois que les mecs, ils ont pas eu les droits. Oui, mon grand, mais c'est bon, pas besoin de me dire. Oui, il y a deux façons de... Oula. Alors déjà, il y a un truc qui ne me va pas. On va changer directement. Objectif, instruction, non. Merde, on peut pas changer de... On peut pas changer les contrôles. Oh putain, ça va être compliqué. Ouh, ça va être compliqué. Ouais, non, mais je peux pas rester comme ça. En gros, si vous voulez, avec le joystick, on tourne, et avec le stick C, on strappe comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. On fait des pas de côté. Et franchement, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire la mission, mais ça va être tendu. Alors, on a le P2K, un décodeur, un laser ou un grappin. On va essayer de passer. On va passer par en haut. Hop là. Petite astuce de Bond au passage. Donc on va reprendre le P2K. Est-ce que j'ai le... J'ai pas le silencieux? Comment on fait déjà? Donc ça c'est sauter, ça c'est s'accroupir. Comment on fait déjà pour mettre le silencieux? Ou peut-être que je ne l'ai pas. Peut-être que je ne l'ai pas dès le départ. Il va falloir peut-être que je le débloque. Alors, bonjour mon petit monsieur. Là. Ça, c'est fait. Donc on est infiltré là-dedans. Je crois que la suite est directement ici. La suite est directement là. Je crois que j'ai rien à récupérer là-bas. Je crois que je peux décoder. Mais il y a peut-être des armes à choper. Je ne sais pas. On va voir. On va utiliser le décodeur. On va ouvrir la porte. De toute façon, derrière, je crois qu'il n'y a personne. Et ce n'est pas surveillé. La petite astuce de Bond qui va bien. Alors c'est ici, je crois. Non, ici, voilà, il faut une carte d'accès. Il faut une carte d'accès et la carte d'accès, je ne l'ai point et je me souviens plus comment... Je me souviens plus comment on la chope, en fait. Mais je me souviens plus comment on la chope. Je crois qu'elle est pas... Elle doit être quelque part. Parce que je sais que ça, on peut l'ouvrir là-bas. Mais je me souviens plus comment. Bon, on va passer à la suite. Petite coupure. Alors, faut bien viser. Ah ben alors, je suis dessus là. Apparemment, j'ai été dessus, mais pas assez. Alors, on passe au suivant. Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. On va sortir le laser pour pouvoir couper. Votre laser doit pouvoir découper ça. Oui, merci, mon grand. Ça, c'est un des rares trucs que je me souviens. Hop là. Après, on va essayer de faire des petites astuces de Bond. Ils savent peut-être que vous êtes
Bon, par contre, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les contrôles, hein, parce que les contrôles ne me vont pas. Ah, c'est vrai qu'il y a la petite aide à la visée. Et bim, raté. Raté, raté. Feu d'artifice. La petite présentation de l'astuce de bombe qu'on peut avoir. Voilà. Tout le monde dégage. Vous foutez le camp. Alors ça va être pareil pour lui derrière là-bas. Voilà, le petit salto qui va bien. J'ai les restes encore, j'ai des restes. Je me souviens bien du jeu pour l'instant. Donc là, il va falloir se cacher là où il y a l'armure. Hop là. Ah oui, armure corporelle qui n'est pas une armure à proprement parler. Dans ce James Bond, c'est surtout de la vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas de, entre guillemets, de bonus défensif dans ce James Bond. C'est surtout pour vous redonner de la vie, l'armure. Alors qu'à l'inverse, dans Nightfire ou même dans GoldenEye 64, l'armure avait sa propre barre de vie. Bon, là par contre, ça va être compliqué parce que c'est bien noir. On va essayer de faire le bourrin. De toute façon, on est en agent normal. Heureusement qu'il y a la... Heureusement qu'il y a la visée... l'aide à la visée, hein. Parce que là, ça aurait été compliqué. Donc, le mec est mort. Toi, qu'est-ce que tu fous ici? On va récupérer un petit peu de munitions. Là, on est bientôt à la fin de la première mission, hein. La mallette, elle se trouve juste à côté. Oula! Ah là, le petit headshot qui va bien. Le frénésie. Ah, ça, c'est une arme que j'aime bien, ça. Ça, c'est une arme que j'aime bien. Couché! Couché, le gros! Récupérer l'armure, et voilà. J'ai localisé les éprouvettes que Nightshade recherchait. Oui, on a localisé les éprouvettes, donc le premier objectif est fait. Ça, c'est un truc qui est dommage, d'ailleurs, dans... c'est un truc qui est dommage dans ce jeu. C'est tout simplement que le niveau de difficulté n'impacte pas vos objectifs, comme dans... comme dans GoldenEye. Oh, joli bug. Joli bug. Normalement, le mec, il est censé regarder au-dessus de la rambarde. Pas mal, pas mal. Décidément. Ah, il s'est remis en place, là. On l'a pas vu, mais il s'est remis en place. Attention, le magnifique jeu d'acteur. N'essayez pas de me mentir. Je sais que vous êtes une espionne. Rappelez votre complice. Allez, au diable! Après vous, bon voyage. Préparez-vous à lancer le submersible. Tout le monde m'a vu. Enfin, elle m'a vu, mais personne... Les autres, non. Va savoir pourquoi. Donc lui, on va s'en occuper. S'en occuper sereinement. Est-ce que je vais pouvoir passer? Oui. Après, on va pas se faire chier parce que de toute façon, on ne peut pas être discret, je crois. À partir du moment où on bute ce sniper, là. Hop là. On va lui foutre une patate de forain dans le cul. Là! Voilà, c'est bien ce que je pensais. À partir du moment où on tue le sniper, on est repéré. Et de 1. Et de 2. Là-bas. 3. Ah, il y en a d'autres. Lui, là-bas, lui. C'est bon, je l'ai eu. Ouais. On a un autre en bas, là. Voilà. Plus de balles de sniper, on a fait un petit ménage, on peut y aller. On va garder le frénésie. Ah, c'est bon, les contrôles, je commence à m'y habituer un petit peu, mais... c'est vrai que c'est pas très... Hop là. Et quand t'as l'habitude de jouer, surtout à des jeux récents, c'est assez compliqué. Bonjour monsieur. Ça, c'est fait. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent négocier? Oui, y a ce monsieur. Je vais sortir de chez moi. Voilà. Il va y en avoir un autre, n'est-ce pas? Veuillez sortir de votre cachette, monsieur. Voilà, ça ne sert à rien. Bonjour. Oula. Oula, oula. J'ai complètement foiré. Heureusement, on est en agent, hein.
Quoique, on sera en agent 00, le résultat serait le même. Bon. Allez, la petite gre... Je sais pas pourquoi j'ai sorti la grenade. Hop là, mission terminée. Voilà, donc on l'a fait en combien? En 10 minutes à peine. On l'a fait en 10 minutes à peine et la plupart des missions sont comme ça. Je ne sais comment vous remercier. Nous trouverons bien quelque chose. James Bond a toujours une idée sur comment il faut le remercier. Ça s'appelle le Deep. Je ne dirai pas le nom complet, mais ça s'appelle le Deep quelque chose. Ça va trop loin. Bon, alors évidemment, ouais, la carotte dans ce jeu, c'est bien sûr le high score. À l'époque, c'était ça dans les James Bond. C'était le high score pour pouvoir débloquer du contenu. Donc, on a débloqué le pistolet d'or. Le pistolet d'or. On a débloqué le pistolet. On a non seulement du contenu solo, mais du contenu multijoueur également qu'on peut débloquer, ceci en chopant les jetons, vous savez, les fameux jetons 007. Briefing. Félicitations pour votre travail au centre Identicon. Comme vous le savez, la libération de Mademoiselle Nightshade n'est pas passée inaperçue. Les hommes de bloc ont pour ordre de vous éliminer au plus vite. Double 07, vous devriez lui laisser le volant pendant que vous vous chargez de repousser vos poursuivants. Vous devez vous rendre à l'usine Identicon, près des docks. L'agent Nightshade nous a indiqué que la seconde livraison comprenant les dernières éprouvettes se trouvait là-bas. Pénétrez leur défense et récupérez la mallette. Une fois les éprouvettes récupérées, apportez-les à R pour analyse. Il vous attendra dans les docks et mettra l'agent Nightshade à l'abri. Bien, donc cette mission va être bien plus simple, puisqu'il s'agit tout simplement d'une mission en rail shooting. Il va y avoir une mission en rail shooting. La troisième mission, ça va être une mission en véhicule, qui normalement devrait être très très courte. On verra bien. Mais on va enchaîner. Vous allez voir, on va enchaîner les missions. Donc on va foutre le bordel un petit peu en ville. Hein. On va se faire plaisir. Let's fuck this shit. On va esquiver là-bas. Oula, putain. Ma visée est complètement fucked up. Hein. Bon, c'est pas nécessaire qu'on le bute celui-là, mais... Disons que c'est un petit peu mieux. Voilà. Lui, par contre, il faut le défoncer. Obligatoirement. On va essayer d'avoir un petit peu d'astuce de Bond. Notez que l'hélico a complètement disparu. Les bonheurs de la génération 128 bits. Hop là, derrière nous. On va essayer de... Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Essayer de choper plein d'astuces de Bond en crevant les pneus. C'est le mieux que l'on puisse faire. Et pour neutraliser les véhicules, voilà, faire ça c'est bien plus facile et plus rapide plutôt que de vider un chargeur pour les faire exploser. On est à Hong Kong donc ici. Peut-être qu'on va croiser Rio. Alors où est-ce qu'ils sont déjà? Attends, je crois. Voilà. Dégage-moi ça. Je crois qu'il y a un mec. Il y a un mec au lance-roquette quelque part. Nani? Qu'est-ce qu'il y a? Foutez le corps, monsieur! Alors, tous les flashs blancs que vous voyez, c'est normal. Hein, c'est moi qui me fais. Donc là, on va prendre le CH6. Voilà, virez-moi ces véhicules. Alors, lui, faire gaffe ce qu'il a. Voilà, il a un petit lance-roquette. Défonce-moi ça. Oh merde, need to reload. Reload, reload. Petite astuce d'ailleurs, si vous voulez une médaille Bond, il faut défoncer cet hélico. Voilà. Bon là, ça ne sert à rien parce que c'est la première fois qu'on fait la mission. Oh putain, mais Zoé, j'arrive pas à les aligner. Femme au volant, je te jure. Oui, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Il y a l'autre là-bas. Putain. Oh, il t'a fait un frein à main, le gars. Attention. Hein. Oh, merde. Voilà. Demi-tour. Lui, là. Faut le déglinguer. Je crois qu'on va se retrouver devant une station-service. On va préparer le bon vieux lance-patate. Il n'y a rien de mieux.
Voilà, c'est ça. Ralentissez, ce serait con qu'on soit dans l'explosion. Vous pensez pas? Allez. Dans l'hélico. Allez, descendre là. Putain, c'est... Tu vas me dégager ça, oui. Les autres, ils ont des explosions à foison à côté, mais... Osef, tout va bien. Ça fout le feu, hein. RIP, ceux qui étaient à l'étage du dessus, hein. Mais mission en cours, niquez-vous. Je crois qu'il y a un mec là-bas. Voilà. Mais oui, on va visiter un petit peu. Bonjour. Alors, on sait qu'il y a des méchants. Là-bas. Du-du. Alors lui, c'est bon, il est mort. On peut casser ça, je crois, je sais même plus. C'est qui me tire dessus encore. Bonjour, monsieur. Bonjour. Open the gate. Dégage de là. Oula. J'avais pas vu le dodan. Là, les deux snipers Ozuka. C'est passé. On fout la merde. Alors, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est Liège. Il est encore en ville. Qui c'est qui est encore en ville? De là. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'on casse. Hein, mais... Qu'est-ce que c'est qu'on casse? Vin Dieu, ça c'est français, ça? Je sais même pas. Monsieur, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Voilà. La mission est terminée. Bon, ça s'est bien passé. J'aurais peut-être dû mettre en agent 00. Hein. Peut-être qu'on aurait eu un petit peu plus de difficultés. Allez vers les docks, Zoé. On va prendre ma voiture. Oh, attention, la mise en scène. Il y a du level. Content que vous ayez pu vous libérer, 007. Désolé, R, j'ai été... retardé. Bien sûr, mais mettons-nous au travail maintenant. Voici votre nouvelle BMW Z8. Légèrement modifiée, évidemment. Roquette frontale, mitrailleuse rétractable, double lance-missile latéraux, armure en titane, autopropulseur dissimulé derrière la plaque d'immatriculation arrière. Et bien sûr, un minibar réfrigéré. Prenez soin de cette voiture 007. Pour une fois, s'il vous plaît, essayez de ne pas réduire en miettes tout le travail réalisé. Un dieu le bordel. Bon, elle a réussi à nous rater à 1 mètre de distance avec un lance-patate, hein, je tiens à le dire. C'est un petit peu du n'importe quoi. Aizu, go récupérer les éprouvettes, là. Là, on n'a pas le temps. Mais elle est morte, quand même. Et alors, je la connais depuis 20 minutes, faut arrêter de déconner. Bien, la deuxième mission est terminée. Je pense qu'on a, voilà, le CH6 en or. Bon, ça, c'est quelque chose qui va pas m'être utile pour un sou. Mais bon, donc, poursuite dangereuse, on enchaîne, hein, on va... Pas de raison, allez, go. 007, vous ne pouvez plus rien pour l'agent Nightshed. Mais il ne faut pas qu'elle soit morte pour rien. Récupérez ses éprouvettes le plus rapidement possible. Nous avons intercepté leur transmission radio. Ils ont l'intention de transférer les éprouvettes dans une camionnette blindée. Atteignez le point de rendez-vous le plus vite possible. Si vous ne parvenez pas à empêcher le transfert, il faudra trouver un moyen d'arrêter la camionnette. Mais soyez prudent. Il nous faut ces éprouvettes intactes. J'ai parachuté quelques accessoires pour vous dans tout ce secteur. Vous pourrez les repérer sur votre radar. L'IOM vous sera très utile pour neutraliser des véhicules sans endommager leur contenu. Vous devrez vous trouver à quelques mètres de la cible et attendre la fin de la période de charge pour être sûr de réussir votre coup. Plutôt clair. Alors, donc dans cette mission, on va tout simplement conduire le véhicule et il va falloir capturer les... Il va falloir neutraliser les autres gars
Sans détruire la camionnette, parce que sinon, on va détruire les éprouvettes, et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but du tout. Alors ça, je crois, de souvenir, je crois que la mission, elle dure 2 minutes. Si j'arrive à la faire comme avant, la mission, elle va durer 2 minutes, vous allez voir. Attention, on est parti, on a les roquettes, parfait. Alors, que je me souvienne bien de comment ça se passe. La roquette déjà dans ta gueule, écartez-vous de mon chemin. Est-ce que je peux changer d'arme? Ah, on change comme ça. Alors, j'ai un IEM apparemment. Voilà, les roquettes dans ta gueule. On passe par ici. Hey, mip mip, poussez-vous, écartez-vous. Faut que je récupère. Voilà, déjà les missiles. Je crois que j'ai un turbo là. Merde, non, ça c'est un mur. Il était pas là. Il était pas là le truc. Où est-ce qu'il est? Ah, ici, l'IEM. Ça fait chier, j'ai perdu du temps. Écartez-vous de mon chemin. Bon, sachant que de toute façon, le véhicule, il est toujours au même endroit. Hein. Hop là, la petite propulsion. On prend les missiles, parce que je crois que le véhicule est un petit peu gardé, mais vite fait. Pom, pom, pom. La musique est pas mal, quand même, hein. Pour de la course-poursuite, c'est quand même pas trop mal. Hop là, poussez-vous. Enfin, la course-poursuite, pour l'instant, il n'y a personne, mais... Allez, bim, bim. On fout le bordel dans Hong Kong. Allez, détruisez-moi ça. Alors, l'IEM. L'IEM, l'IEM. Oh, le salaud. Oh, putain, viens ici. Et voilà, mission terminée. On a mis combien de temps? Peut-être 4 minutes. J'ai perdu un peu de temps. J'ai perdu un peu de temps, mais normalement, ça... Enfin, ça allait vite, hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est la troisième mission. La quatrième, je crois que ça va être un petit peu plus long, parce que ça va être une mission d'infiltration. Et après, pour tout vous avouer, je ne me souviens plus trop de ce qui se passe après. Ah non, durée de la mission, 1 minute 49. Ah merde, je pensais que ça avait duré un peu plus longtemps. Bah écoute, apparemment non. Bon, alors déverrouiller le lance-roquette. Alors, ça, je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser. En tout cas, pas dans cette mission, puisqu'il va falloir être discret. Il va falloir être discret. Briefing. La mallette que vous avez récupérée à Hong Kong contient 9 échantillons de sang humain, ainsi que des photos de l'ambassade de Grande-Bretagne en Roumanie. 8 éprouvettes portent les initiales de pays industrialisés. La dernière porte un simple nom, Griffin. Nos bases de données recensent un certain Reginald Griffin, un diplomate de l'ambassade de Grande-Bretagne en Roumanie. Le comportement de Griffin a récemment fait l'objet d'un rapport interne. Il semble en effet obsédé par la sécurité d'une chambre forte qui est pourtant hors de sa juridiction. Pénétrez dans la chambre forte de Griffin et voyez ce qu'il y cache. Jetez également un coup d'œil sur son ordinateur. Ne faites confiance à personne, mais rappelez-vous que les gardes de l'ambassade sont en dehors de tout soupçon. Il ne faudra pas les blesser. Ah, 007, je vous ai préparé un pistolet équipé de balles tranquillisantes, afin de neutraliser les gardes sans les blesser, ainsi que des lunettes qui vous permettront de détecter les trappes et les portes secrètes. Les ambassades de Grande-Bretagne en sont généralement truffées. Bien. Donc ça fait penser à une mission qui était présente dans Nightfire, vous savez, le fameux bâtiment... Le bâtiment dans lequel on progressait à grands coups de patates de forain. Là, ça va pas être le cas. Là, je crois qu'on ne peut pas... On peut pas se permettre... on peut pas se permettre de mettre des grosses patates de forain. Enfin, quoique, peut-être. Je sais pas, faudra que j'essaye. Faudra essayer, tiens, voir si on peut mettre des grandes patates de forain dans la nuque. Mais, étant donné qu'on a des fléchettes tranquillisantes, autant les utiliser. J'adore. C'est tellement discret, le Bond. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils lui ont fait cette tête, hein. À James, hein. Peut-être qu'ils ont pas eu les... Ils ont pas eu les droits pour Pierce Brosnan, je ne sais pas. C'est un petit peu con. Regarde-moi ça, en plein milieu, en plein de lumière, il y a un garde qui est juste là. Mais fuck that shit, je suppose. Allez, zou.
Ah oui, ça fait partie. J'aime beaucoup l'ambiance, moi, de ce niveau. Hop là. Je crois qu'il y a des choses à récupérer ici. Il doit y avoir des fléchettes quelque part. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a des fléchettes tranquillisantes dans les ambassades. Dans les ambassades d'Angleterre, évidemment. Ah oui, je crois que c'est là-dedans. Écoutez-moi ça. Le petit jingle. Uniquement quand on est dans l'ascenseur. Attention. Non ! Tu donnes pas l'alerte ! Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Bien. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je ne crois pas. Je crois pas qu'il y ait de secret ici, du moins pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait de secret. Ici, je crois qu'il faut faire gaffe. Faut faire gaffe aux bouteilles, il faut faire gaffe aux assiettes. Mais je crois qu'on est obligé de faire du bruit. Peut-être si je marche doucement. Oh putain. C'est-à-dire, même en essayant d'être discret, ça ne marche pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc on a eu lui. Oula. Tiens, dans la cuisse. Alors je crois que c'est ici qu'il y a une trappe. Voilà. Tu me désactives ces lasers, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de monsieur ici. Ah si, derrière. Sachant que lui c'est le Billy du groupe, hein, d'ailleurs. Parce que tu regardes tous les autres gardes, ils sont là en mode « Ouais, il faut donner l'alerte !» Lui, il tire. Il cherche pas à comprendre, il tire. Capturer le vivant, non. Billy, capturer le vivant, non. Je ne veux pas. Alors, il y a une trappe ici aussi. Bon, ça, c'est des souvenirs, hein. Ça, je m'en rappelle. Hein. Je m'en rappelle pas mal, d'ailleurs. Ici, je crois qu'il y a, il y a un jeton. Hein. Il y a un jeton 007. Quand on refait la mission. D'ailleurs, hop là. Ah, putain. Ah, putain, c'est contrôle. Alors, hop. Voilà. Alors, on pourrait prendre l'échelle, mais ce n'est pas assez classe pour Bond. Donc, on prend le grappin. Voilà. Alors, hop. Objectif atteint. Monsieur Griffiths, il nous faut le mot de passe. Il nous faut le mot de passe. On peut rentrer ici, je crois, d'ailleurs. Vous êtes dans des quartiers privés, monsieur. Désolé, mademoiselle. Je fais partie de la nouvelle équipe de sécurité et je crois que je me suis égaré dans les couloirs. Vraiment? Je peux peut-être vous montrer le chemin? Vive l'animation des boobs, hein, attention. Hein. Ça, il y a un moteur graphique spécifique pour les boobs. Générateur de mot de passe requis. Ah non, il faut d'abord que je bute l'autre. D'abord que je bute l'autre, voilà. Allez, go, on y va. M, j'ai trouvé Griffin. L'interrogatoire a mal tourné. Apparemment, il a été torturé à mort. Non, monsieur. Vos yeux ne vous trompent pas. Malheureusement, je serai la dernière chose qu'ils verront. Avec plaisir, mon brave. On se fait un petit ambassadeur. James Bond qui se fait un ambassadeur. C'est quand même pas mal. Alors, hop là, on a chopé le générateur de mots de passe. On peut passer par ici pour neutraliser les deux derniers gardes. Tu ne toucheras à rien. Fléchette dans le cul, no jutsu. Petite plaque là? Non, elle est pas ici.
Ah ah, elle est là. Le laser. Ça, c'est fait. Ensuite, hop là. Hop là. Voilà. Donc, tous les gardes sont neutralisés. On peut se balader tranquillou maintenant. Je crois qu'il y en a un. Oh, je me demande si le dernier... Est-ce que le dernier, je vais pouvoir lui mettre une patate de forain? Oh, ça, putain, ce serait cool, ça. Tu finis le level en mettant une bonne grosse patate de forain dans la nuque. Alors, hop là. Regarde, hop là, pour sauter. Ah, oui. Voilà, donc maintenant, il faut quitter l'ambassade. On a récupéré les indices dont on avait besoin. Hop là. C'est vrai que James Bond, il est un petit peu sur la lune hein, quand il saute. Dans cet espion pour cible. Alors, on va prendre la main nue. Oh, puis là, c'est la grosse patate de forain. Direct. Dans James Bond Nightfire, c'était un petit peu lent. Mais là, c'est... Us. Direct. Attention, le jump. Ne bougez pas. Bi. Voilà. Les grosses patates de forain. Y'a que ça. Y'a que ça de vrai. Et bah, mission terminée. Donc du coup, on a terminé la quatrième. Quatrième mission. Ça va vite, hein. Encore une fois, ça va vite. On est à 37 minutes, là. C'est-à-dire, en une demi-heure, on a fait... Allez, peut-être 40% du jeu. On a fait 40% du jeu, donc c'est allé assez vite. Et encore, vous avez vu, hein, durée mission, on peut faire cette mission en 3 minutes 30. Si on veut le score maximal, il faut 3 minutes 30. Et c'est vrai que, bah, en général, quand tu connais l'emplacement des gardes et tout le bordel, bah, tu sais déjà où aller. Un accueil glacial. Alors, je dois vous avouer que je ne me souviens plus de cette mission. Ça fait combien de temps? 36 minutes qu'on est ensemble? Allez, on va faire celle-là aussi. Le briefing, s'il te plaît. Terrible nouvelle, 007. Nous avons fait des tests sur l'homme qui vous a attaqué à l'ambassade. Il ne s'agissait pas d'un simple imposteur, mais du double génétique exact de Griffin. En d'autres mots, un clone. Le message que vous avez récupéré sur l'ordinateur de Griffin mentionne une entreprise basée en Suisse, Malprave Industries, spécialisée dans la recherche biogénétique. Il semblerait qu'ils aient conduit des expériences illégales dans le domaine du clonage humain. Votre mission consistera à vous infiltrer dans les locaux de Malprave Industries afin de trouver des preuves. Vous vous ferez passer pour un journaliste, Monsieur Somerset. Nous avons obtenu un rendez-vous avec Adrienne Malprave, la présidente du groupe. Une fois à l'intérieur, essayez d'en savoir plus sur les plans de Malprave. Bonjour, 007. Votre appareil photo miniaturisé vous permettra de ramener des preuves des activités de Malprave. Et grâce au téléchargeur de données, vous pourrez pirater son système informatique. Je vous ai préparé une télécommande universelle. Elle peut mémoriser n'importe quel signal électronique, permettant de contrôler de nombreuses machines à distance. C'est un petit peu ce qui manque dans les James Bond, d'ailleurs. C'est l'aspect très gadget. L'aspect très gadget et l'aspect aussi un petit peu débrouillardise. Parce que ça, c'est quelque chose qui était présent dans les anciens... Enfin, les films, hein, les anciens James Bond. C'est plus trop le cas maintenant. La société est devenue de plus en plus assistée. Oh ! Bref. Donc, on va essayer de se faire passer pour un journaliste. Et vous allez voir que ça va très très vite partir en couille. D'ailleurs, t'es là en mode, oui, le clonage. Le clonage, c'est pas bien. C'est pas bien, mais en général, quand t'es un mec comme James Bond et que tu vois un truc comme ça, tu te dis, le clonage, c'est pas trop mal. Je crains que votre entretien avec Madame Malprave ne soit repoussé. En attendant, vous pouvez profiter de la vue. J'en profite déjà. M, j'ai déjà rencontré Adrienne Malprave. Elle était à l'ambassade en Roumanie. Alors foncez récupérer vos informations, 007. Vous disposez de peu de temps avant qu'on ne remarque votre absence. Trouvez une preuve et quittez la base avant de vous retrouver enfermé. Oh, on s'est fait niquer. Bon. Alors, on va ouvrir cette porte. Non.
Donne. Oh putain, il a donné quand même. Aouh. Bon, cette mission commence très mal. Cette mission commence très 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 mal, j'hésite à la recommencer. Ah mais merde, il y en a un troisième ici. Et, oh putain, la visée, mon dieu. Oh, ça a pris un coup de vieux. Hein. Ça a pris un bon gros coup de vieux. Alors, elle fait chier parce que du coup, il a déclenché l'alarme, ce salopard. Est-ce que je peux pas recommencer? Ouais, on va recommencer la mission. Juste, je vais essayer d'avoir un meilleur... une meilleure chance. Je vais essayer d'avoir une meilleure chance. En fait, si vous voulez, on est censé ouvrir ce truc-là. Voilà. Ce côté-là. On est censé ouvrir ce côté-là. Puis en plus, quand je regarde là-bas, ben, y a pas grand-chose. Je croyais qu'il y avait un petit peu... elle s'appelle Bébé. Elle s'appelle Bébé, la dame. D'accord. Ici, c'est le bureau de je sais pas qui. Et Bella. Bébé et Bella. Bon, bref. Voilà. C'est ce bureau-là qu'il faut ouvrir. Mais je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre à côté. Finalement, non. Donc, je me suis... je me suis fait repérer pour rien, heureusement. Bon, après, on a recommencé la mission. Ce n'est pas bien grave. Petite astuce de Bond. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se masturber devant l'image de la ptiote. Ah, Nani. Oh, putain. C'est bon? Pas de... Merde. Allô? Pourquoi la porte s'est ouverte? Bon. Oula. Putain. Attends, je crois qu'il y a un script qui va se déclencher. La porte, elle devrait s'ouvrir en face, là. Non? Alors, attends. Toi. Oh, mais merde. Dans la tête. Merde, y'a lui. Ta gueule! J'ai dit ta gueule! Ouh! Bon. Il faut prendre des photos, des images. Hop là. Des images satellites. Bon, c'est hein, c'est de l'abstrait, hein. Faites pas chier. Voilà. Objectif atteint. Est-ce que je peux ouvrir cette... Non, c'est pas celui-là que je peux ouvrir. Ici, évidemment, il n'y a personne. Photographier les schémas. Je crois que je peux photographier ça. Ça, c'est un bonus, hein, quand on photographie ce truc-là. C'est une astuce de Bond. Non. Mais... Putain, quand je pense qu'à l'époque, je mettais headshot sur headshot, force est de constater que mon niveau a drastiquement diminué. Voilà, petite photo, voilà, c'est celui-là. On va récupérer le lance-patate. Petit lance-roquette récupéré au calme. Alors attention, hop là. Il y a quelqu'un qui va... Mais, Nani, mais... Putain, décidément, je suis une burne aujourd'hui. Hop là, récupérer la carte d'accès. J'ai pas un truc à faire. Je suis persuadé que j'avais un autre... Je suis persuadé d'avoir un truc à faire avec la carte d'accès. Ici. Putain, je me souviens plus. Bon, je suppose que non. D'où viennent ces souvenirs? Et hop là, on descend. On va passer à la deuxième moitié. Je crois. Putain, je me souviens tellement plus de cette mission. Prends ça dans ta gueule, toi. Hop là. Ici, je crois qu'il y a... Il va y avoir des ennemis aussi. Il va falloir faire attention. Alors, on va tenter le... Oh, le trick shot. Voilà, c'est passé. Ensuite, lui. Oh, putain. Mais ils avaient... Putain, mais décidément... J'en chie, mais tellement... Attends, je crois que... Au moment où je vais prendre la photo... Eh ben, tu le sélectionnes, l'appareil photo, de Dieu? Appareil photo. L'appareil photo. Eh ben alors? Ah, quand même. On va prendre le lance-patate, voilà, parce qu'il y a ça. Hop là, c'est une astuce de Bond. On récupère des greux, et quand on prend la photo, voilà, il y a les deux, là. Foutez-moi le camp. J'ai quand même pas mal de restes sur les
sur les scripts qui se déclenchent. En même temps, je l'ai torché tellement de fois ce jeu, au bout d'un moment, ça reste. Utiliser le décodeur pour télécharger. Bah oui, c'est pas le décodeur que j'ai. Ah non. Oui, accès. Ah, mais oui, mais quel con, c'était ça qu'il fallait que j'utilise. Fallait que j'utilise ça, putain. J'ai fait l'imbécile. Ouh, couché. J'ai fait l'imbécile. Normalement, j'aurais dû désactiver. C'est à ça que me servait la carte d'accès, bordel. Gâche de là. Oh, putain, moi, je vais lui faire un câlin, en plus. C'est à ça que servait la carte d'accès. Désactiver le système de sécurité pour pouvoir décoder... Pour pouvoir décoder tout ça, putain, sans activer l'alarme. Putain, j'ai fait l'idiot. Mais bon. On passe au deuxième. Putain, le gros défendeur. Ça, j'aime bien le... Ils appellent ça le défendeur, mais c'est le Desert Eagle, en fait. Hein. On prend le pistolet d'or, on n'a pas besoin d'autre chose. Open the door. Mais pas du tout, je ne suis pas un intrus. Je suis là pour refaire... Hop là, où c'est que tu vas te... Chut ! Putain, c'est affolant ces gens là. Ils foutent le bordel, qui tirent dans le vent. Tiens, ta gueule. On va récupérer un petit peu de vie. Voilà. Je crois qu'il y a encore un autre... Il y a encore un autre mec à neutraliser. Il me semble... Ouais, il est là-bas. Ne bougez pas. Pas de problème, je vise mieux quand je suis statique. Oh fuck! Ah, sac à merde. Tiens! Écoute, c'est le jeu. C'est le jeu qui m'a donné ça. Bon. L'alarme n'est pas déclenchée. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Il me semble qu'on peut passer par là. Je crois qu'on a plusieurs endroits, hein, d'ailleurs. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai plus de munitions, par contre, pour le flingue. Ce qui est fort dommage. Je crois qu'il y a un mec ici. Est-ce qu'on peut lui mettre une patate de forain dans la nuit? On va essayer. Hop. Oh non. Genre, il m'a repéré de suite. Oh, patate de forain, là. Pourquoi je le touche pas? Mais, putain, le bordel de merde, voilà. Bon, je me suis suicidé, j'ai fait exprès, ça m'a énervé. Putain, je suis au cac et je le touche pas, la putain de ta sœur. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Complètement beurré, le jeu. Cette fois, on va essayer de ne pas se faire repérer. Attention, ça rigole plus. Hein ? L'autre là-bas. Je crois qu'il y a un signe. Bond est ici ? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voilà. Je crois que si on avance par là, il y a un fusil sniper là-bas. Qui m'a repéré, mais direct, alors qu'il était dans la tête dans son viseur. Pas mal de bullshit dans ce jeu. Couché! Vous allez fermer vos gueules, hein. C'est moi qui vous le dis. Je me souviens plus comment on fait pour progresser. Oh, petit SSR 4000. Le fusil sniper, pour ceux qui ne connaissent pas. On va choper le frénésie. On a combien? 8 cartouches. Allez, ça devra le faire. Hop là. Salut mon pote. Voilà. Toi, tu m'as gonflé. Alors, carte d'accès, non. Appareil photo, non. Voilà, ma télécommande. Merci. Et... Il dit coucher. Et d'y coucher. Décidément. Ouh, j'ai plus de balles de frénésie. Oh, c'est cool, ça. Bon, par contre, je crois qu'il y a un truc en bas, là.
Bon, on est ici. Voilà. Récupère-moi ça, récupère-moi ça. Est-ce que je prends le SSR Est-ce que je prends le sniper maintenant? Parce que je crois qu'il y a des ennemis à côté. Il y a des ennemis quand je vais ouvrir la porte, là. Et c'est des gros ennemis au frénésie. C'est les tanks du jeu. Ouvre-moi ça. Voilà, c'est lui, là. Alors, eux, en agent 00, c'est une plaie. C'est une plaie en agent 00, parce que les mecs, ils défoncent tout. Sniper en premier, connard en deuxième. Alors, bonjour, bonjour. Je récupère les munitions, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque la sortie et la fin de la mission est ici. Et on se casse. Et on se casse. Alors, ça fait 52 minutes que l'on est ensemble. Est-ce qu'on a obtenu la médaille là-dedans? 100 000 points, je pense que oui. Chargeur en or. Bien. Un petit peu plus de munitions. La nuit du chacal. Donc, c'est la mission numéro 6. La mission numéro 6. Bah, écoutez, on va se stopper là pour cet épisode. Parce qu'on a déjà fait... on est à la moitié, hein. Mine de rien, ça va vite, hein. Mais on est à la moitié du jeu. Déjà. On va rester en agent. Je vais essayer quand même... Il me reste quoi comme mission? Il me reste la nuit du chacal. Après, je crois qu'il me reste une autre mission en rail shooting. Ah non, la mission 7, elle fait rail shooting plus véhicule. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Un petit hommage à GoldenEye, d'ailleurs, dans la prochaine mission. Après, je crois qu'on va aller sur la plateforme pétrolière. Après, un nouveau level en rail shooting. Ah, ça fait qu'il y a quand même pas mal... il en reste pas mal, hein. Je crois que c'est un coup, il y a peut-être un petit peu plus de missions. Mais enfin bon, là ça fait environ 50 minutes. On va se laisser là pour ce premier épisode. Écoutez, moi je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour l'épisode numéro 2 de ce Let's Play de James Bond 007, espion pour cible. Et puis bonne partie tout le monde. Allez, ciao, bye bye.